Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre série « Le béton en mode décarbonation ». Alors dans le premier épisode, nous avons vu que l'empreinte d'un mètre cube de béton est de 200 kg de CO2. Avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer dans le détail à quoi correspond ce chiffre. Pour arriver à ce chiffre, on tient compte de toutes les étapes de la vie du béton. Vous me suivez ? Étape numéro 1, les matières premières. Entendez par là les granulats, les adjuvants, les additions, l'eau et bien entendu le ciment. Si on inclut le transport, l'ensemble représente 180 kg, dont 170 kg sont liés au ciment. Voilà pourquoi le ciment est un élément clé dans la décarbonation du béton. On continue ? Étape numéro 2, la fabrication. Elle a une empreinte carbone généralement très faible pour le BPE, légèrement plus lourde pour la préfabrication selon le processus de fabrication mis en œuvre. Ainsi, l'empreinte de la fabrication est de l'ordre du kilo ou de quelques kilogrammes par mètre cube. Passons à l'étape numéro 3, le transport. Le transport du béton prêt à l'emploi ou des pièces préfabriquées génère une empreinte carbone de 5 à 10 kg en fonction de la distance et du type de transport. Étape numéro 4, la mise en œuvre du béton. Elle a une empreinte d'une dizaine de kilos en fonction des engins et des équipements du chantier utilisés. Rien n'est oublié. Le calcul de l'empreinte tient même compte de l'usure des coffrages. Passons maintenant à l'étape numéro 5. La démolition, le transport du béton de démolition et le traitement en fin de vie. Comme pour les étapes précédentes, les engins et les équipements utilisés pour la démolition et les moyens de transport choisis conditionnent l'empreinte carbone. On l'estime en général à une grosse vingtaine de kilos. À partir de là, vous pourriez penser que l'on a parcouru toutes les étapes. Eh bien non, il ne faut pas oublier la carbonatation du béton. En effet, la surface du béton capte du CO2 de l'atmosphère en permanence. C'est un puits de carbone. C'est ce phénomène naturel qui est la carbonatation du béton. Entre en ligne de compte le dosage du ciment du béton, sa forme, son emplacement dans le bâtiment et sa destination en fin de vie. En moyenne, les calculs donnent une vingtaine de kilogrammes de carbone capté, donc négatif. Nous avons enfin fait le tour des étapes de la vie du béton et leur incidence en termes d'empreinte carbone. Alors, récapitulons. Pour un mètre cube, nous avons bien 170 kg de CO2 pour le ciment, 10 kg pour les autres matières premières, 10 kg pour sa fabrication et son transport, 10 kg pour sa mise en œuvre, 20 kg pour démolition, transport et traitement en fin de vie, total 220 kg. Duquel on soustrait 20 kg de carbonatation et on arrive à 200 kg du mètre cube. Et donc le ciment représente 170 moins 20 de carbonatation, donc 150 kg sur les 200. Alors il ne s'agit pas ici de minimiser le rôle du ciment, mais plutôt de faire prendre conscience que 50 kg de carbone ne viennent pas de la fabrication du ciment. Ce sont 50 kg sur lesquels on peut aussi agir. Bien évidemment, n'oubliez pas que ces 200 kg sont une moyenne. Certains bétons peuvent aussi avoir une empreinte plus basse ou plus élevée, suivant leur application et leur utilisation. Sachez aussi qu'il est possible pour tous ces bétons de baisser leur empreinte grâce à différents leviers que je vais vous présenter dans les prochains épisodes. Alors, ne manquez pas votre prochain rendez-vous, le béton en mode décarbonation.